fix up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn... Eh, ça, c'était une sacrée journée, hein. Une sacrée journée. De ma folle journée dans les hautes montagnes péruviennes où il n'y avait que des chemins pour les lamas, j'attaque maintenant une route principale pour aller sur la côte dans une très grande ville pour fabriquer des pièces que j'ai cassées. Il faut que je trouve un tourneur. Et je pensais être super cool, j'avais que 250 bornes à faire, tranquille sur une route principale, mais regarde, c'est tout le temps comme ça. Et là, on est à plat. Dans les montées, ça ravine énormément quand il pleut, je pense, et ça détruit la route. Il y a des monticules de pierre, de terre, avec des pentes pas possibles. Donc j'espère que je vais rallier la ville pour remettre en état trois pattes, parce qu'il en a grandement besoin et j'ai envie d'attaquer par la suite. Allez, on continue cette route, hein, croisons les doigts. On m'a dit 5 heures.
Encore une grosse journée, toute la route est comme ça. C'est un peu la guigne avec ce terrain défoncé alors que je roule pas plus de 40 km/h. 40 km/h, c'est un maximum sur 100 km. Là j'ai mis 4 heures pour faire 100 km et regarde, donc problème de frein arrière, donc le frein pied il est là et l'attache qui sert à tenir cette barre sur celle là et ben elle a dégagé quoi. Il y avait un clips, il a dû partir. Mais ça, c'est rien quoi. Regarde mon arbre de transmission. Voilà. Donc le boulon d'origine, il y est. Hein. Il manque les deux petits boulons qui tiennent là.
Le joint spi, ben, ça fait la malle. Et à force de tourner, eh ben, ça use. Ça use ici. Alors l'usure du châssis en forme de U comme ça, c'était déjà dû avec mon premier arbre. Mais là, bon, c'est... Il est grand temps que j'arrive dans un garage. J'espère qu'on aura la pièce. Allez, on s'accroche. Bon, après ces mauvaises nouvelles, il me reste encore 140 km et apparemment bah, la route est nettement meilleure en goudron et sans trou. Regarde. La vue est superbe. Donc je vais finir tant bien que mal ces 140 km. Bon, ça tourne pas mal. Je vais me rapprocher de la mer et puis dans cette grande ville dont j'ai oublié le nom, je vais devoir m'arrêter et puis faire une révision générale du site et tout vérifier. Et puis commander les pièces là, parce que je sais même pas s'ils ont ces joints spi pour le cardan. Alors, ouais. Donc je prends cette décision de m'arrêter et de repartir une fois que tout le secteur sera vérifié pour pouvoir refaire 100 000 km. Allez, on y va, ça tourne. Regarde. C'est complètement désertique, impressionnant. Donc je suis à 100 km de l'océan. Et c'est magnifique. Estados Unidos, Canada, Italia, Alemania, Suiza. Suiza! Para mis amigos de Suiza, con mucho cariño, para grandes caballeros que hoy día nos engalanan con su presencia, yo pensé que eran de Celepín, pero son de Suiza. Un abrazo muy especial para mis amigos de Suiza, que Dios me los bendiga. Gracias por estar en Perú. Welcome Perú, welcome Perú.